Cette vidéo de moi est totalement fake de A à Z. Bon, alors au niveau de la bouche, c'est pas encore parfait, mais franchement c'est fou, non? La vidéo et la voix ont été créées à 100% avec l'IA. Même si on reconnaît toujours un peu que c'est fake, ça commence à devenir une dinguerie ce qu'on peut faire, tu ne trouves pas? Déjà, je suis sûr que pour cette intro, t'es incapable de dire quelles sont toutes les vidéos réelles et toutes les vidéos fake. J'ai mon propre avatar, et j'ai plus qu'à écrire du texte pour le faire parler. Est-ce que ça serait pas la meilleure application texte ou vidéo? Je vais tout de suite te montrer comment j'ai fait. Je n'ai rien dépensé pour faire cette vidéo, et tu vas voir, c'est très simple. Ça peut permettre énormément de choses. Déjà, tu peux bosser de n'importe où. Tu bégayes jamais, donc t'es pas obligé de faire trop de montage. T'es pas obligé de te faire beau, de sortir ton micro. Si j'atteins les 100 000 abonnés et que je meurs, mes enfants et petits-enfants pourront continuer à tenir mon compte YouTube ad vitam aeternam et je deviendrai immortel. Ouais. Comme pour tous les outils IA que j'ai testés jusqu'à présent, à chaque fois, je trouve qu'il y a un côté fascinant et un côté super flippant. Dans un an, ça sera strictement impossible de reconnaître l'IA et la réalité. Et les avatars virtuels seront présents partout. Quand tu contacteras le service client d'Amazon, t'auras Jeff Bezos qui te répondra en vidéo et qui te fera « Hey, salut, c'est Jeff Bezos, que puis-je faire pour vous ?» À mon avis, il y a une très très forte probabilité que ça arrive. On va désormais voir comment se créer un avatar virtuel. Dis-moi en commentaire combien il y a d'extraits réels et combien il y a d'extraits fake. On va utiliser HeyGen. J'ai déjà fait un tuto sur HeyGen. J'en ai même fait deux, je crois. Le plus gros, c'était sur celui avec les traductions, sur comment traduire ce qu'on disait en 80 langues avec les lèvres qui bougeaient et tout. C'était assez fou. Allez le voir si vous voulez. Là, on va utiliser une option totalement différente. Donc, connectez-vous avec votre compte Google. Donc, quand vous créez un nouveau compte, vous avez accès à deux crédits gratuits, équivalent à 2 minutes de vidéo, ce qui va être largement suffisant pour ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez bien sûr enchaîner les comptes gratuits avec en fonction des noms de comptes Google que vous avez. J'ai même fait un tuto sur comment créer autant de comptes Google que vous voulez sans avoir besoin de numéro de téléphone. Je vous invite à aller le voir. Si jamais vous décidez de passer par la version payante, ça serait cool de passer par mon lien en description, je toucherai une petite commission. Donc, vous allez sur Instant Avatar. Vous faites Free Instant Avatar. Hey guys, I'm Joshua, co-founder and CEO of HeyGen. Let me show you these two videos, and you tell me which one is AI generated. In the early days of computer programming, a significant historical anecdote is known as Grace Hopper and the bug. In 1947, at Harvard University. All right, it may sound crazy, but both videos are generated with my AI avatar. You can create your own if you follow the instruction below. It will only... Franchement, c'est fou. En dehors de ChatGPT, des outils d'image, c'est le Midjourney, DALL-E et tout, il y a deux outils qui m'ont vraiment marqué, c'est HeyGen et Eleven Labs. Pour moi, c'est les deux meilleurs outils à disposition du public d'IA. Si jamais vous en avez d'autres aussi bien que, mettez-les-moi en description, j'irai les voir, mais HeyGen, c'est impressionnant. Donc là, vous allez devoir uploader une vidéo de vous de 2 minutes qui parle directement à la caméra. C'est assez... Enfin, moi, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois parce qu'il faut... Déjà, il faut que la vidéo, faut que ça commence directement quand vous parlez. Vous ne devez pas faire de coupe. Vous devez que pendant 2 minutes, vous devez parler et pas la couper sur CapCut, quelque chose comme ça, entre les moments où vous parlez. Donc celle-là, vous voyez, elle ne va pas passer parce que j'ai fait... Comme ça, faut la couper, que je parle directement, je vous le dis, pour pas vous perdre du temps. Je vous montre juste pour l'exemple. Donc, d'accord. Ensuite, vous cliquez sur « Your face is visible all the time. You were looking directly into the camera. There are pauses between second sentence and the environment is well lit and bright. » Ok, my footage looks good. J'ai un super accent d'anglais, hein. Alors, là maintenant, vous devez faire prendre une vidéo de vous. Je donne le consentement à HeyGen d'utiliser votre image. Donc moi, pour une raison que j'ignore, par la webcam, ça marche pas. Donc, upload vidéo consent. Je, Mathieu, déclare par la présente que j'autorise HeyGen à utiliser... Je pense qu'il faut parler comme ça. Valide ton consent, sinon, il te le refuse. Donc, submit, et hop, c'est parti. Vidéo uploading. Voilà, mon instant avatar HeyGen a été créé. Ton instant avatar est prêt. N'hésite pas à créer des vidéos avec. Clique également sur le bouton de retour d'information pour partager ton avis. J'espère que tu apprécieras. C'est assez incroyable, hein. Et maintenant, vous pouvez faire Create Video. Alors, et maintenant, vous pouvez faire Create Video. Et maintenant, vous pouvez faire Create Video. Et la voix, déjà, je trouve ça incroyable.
Du coup, vu que j'ai 2 crédits gratuits sur ce compte, ça m'a donné envie d'écrire une intro pour ma vidéo. Alors vous allez voir, des fois, c'est assez fou, mais des fois, il y a des petites retouches à faire et des petites fautes d'orthographe à faire pour que ça puisse rendre bien. Je vais vous montrer. Bon, alors au niveau de la bouche, c'est pas encore parfait, mais franchement, c'est fou, non ? J'ai mon propre avatar et j'ai plus qu'à écrire du texte pour le faire. Vous voyez, bon, déjà la voix elle est folle, mais il dit j'ai plus qu'à écrire du texte, donc déjà vous enlevez le S. CA il comprend pas, il dit K, donc faut mettre SA à la place. Et je trouve que je parle trop lentement, donc je vais mettre speed 1.1 plutôt que 1. Et pareil, 100 000 il comprend pas, donc faut lui dire 100 et 1000. Bon, alors au niveau de la bouche, c'est pas encore parfait, mais franchement c'est fou, non ? J'ai mon propre avatar et j'ai plus qu'à écrire du texte pour le faire parler. Est-ce que ça serait pas la meilleure application texte to vidéo ? Ça peut permettre énormément de choses. Déjà, tu peux bosser de n'importe où. Honnêtement, c'est dingue. Il donne une bonne astuce. Si jamais vous voulez faire des pauses, vous pouvez lui demander, parce qu'il enchaîne un peu tout. Donc des fois, je vais mettre quelques petites pauses. Genre une. Bon, alors au niveau de la bouche, c'est pas encore parfait. Mais franchement, c'est fou, non ? J'ai mon propre avatar et j'ai plus qu'à écrire du texte pour le faire parler. Dur d'imaginer ce qu'on pourra faire dans un an. Ouais, c'est pas mal, là. Donc, une fois que vous êtes satisfait de l'audio, vous cliquez sur Submit. Ouais, pour autant de vidéos, pour 49 secondes de vidéos, il me prend qu'un seul crédit. Fair enough, j'ai envie de te dire. Allez, c'est fini, on va regarder le résultat. Bon, alors, au niveau de la bouche, c'est pas encore parfait. Mais franchement, c'est fou, non ? J'ai mon propre avatar et j'ai plus qu'à écrire du texte pour le faire parler. Est-ce que ça serait pas la meilleure application texte to vidéo ? Ça peut permettre énormément de choses. Déjà, tu peux bosser de n'importe où. Tu bégayes jamais, donc t'es pas obligé de faire trop de montage. T'es pas obligé de te faire beau, de sortir ton micro. Si j'atteins les 100 000 abonnés et que je meurs, mes enfants et petits-enfants pourront continuer à tenir mon compte YouTube ad vitam aeternam et je deviendrai immortel. Ou alors, je peux simplement embaucher des assistants pour m'aider à faire des vidéos et ils utiliseraient mon avatar. Non, c'est un truc de fou. J'ai montré ça à ma copine et elle m'a dit que c'était limite flippant. Et en plus, je peux me faire parler en n'importe quelle langue. This video is now complete. Like and subscribe to my channel if you want to keep up to date with the latest AI opportunities and I'll see you soon for another video. Questo video è terminato. Mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale se volete rimanere aggiornati sulle ultime opportunità offerte dall'IA. E ci vediamo presto per un altro video. Cette vidéo est maintenant terminée. Like et abonne-toi à ma chaîne si tu veux être au courant des dernières opportunités qu'offre l'IA et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.